Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Mes respects à tous mes aînés, aux têtes couronnées, toutes personnes, toutes ceux, celles que Dieu ou la nature a donné le pouvoir de communiquer avec les plantes, de sauver avec les plantes, parce que seul Dieu sauve. Avant de donner ce que j'ai à vous donner d'abord, je vais vous livrer deux secrets concernant ce monsieur-ci. Et je vais lancer un tout petit peu de message de supplication à mes aînés, aux têtes couronnées du Bénin. Je suis votre fils, je suis votre enfant. Et je suis grand frère de certaines personnes, peut-être même papa. Bon, il y avait une vidéo, il y avait un audio qui avait circulé, qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait. Une interdiction à ce que lorsque on donne des recettes, il y a des gens qui donnent des rituels avec de l'argent, payer l'argent, ou bien certaines recettes données que, bon, ils doivent commencer par avoir des luttes. Ça, c'est clair et net. Vous avez raison, mes chers aînés, et mes respects à vous. Vous voyez, le problème aujourd'hui, mes chers papas, ce n'est pas que nous avons... Qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas que on est en train de montrer que on sait ou bien on connaît quelque chose. Jamais. Mais déboutonner, ça, il peut bien le meilleur. Le problème est que ce sont des gens qui prennent le nom du Bénin. Ce sont des gens qui utilisent le visage du faux visage. C'est-à-dire, lorsqu'on donne des rituels, on donne des recettes, eux, ils enlèvent, si c'est 7, ils enlèvent 2 ou 1 dedans pour montrer, remontrer encore ces choses, soit disant que c'est eux. Et aussi, c'est des gens aussi qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève dans la culture spirituelle, parce que la spiritualité, il y en a premier, hein. Il y en a deux. Il y en a ceux qui ont des maîtres, ceux qui sont partis être initiés, et il y en a ceux qui sont nés dedans. Nous sommes nés dedans. On n'a pas de maître, nous sommes nés, c'est dans le sang. Donc parfois, si nous donnons des rituels, cette vidéo c'est pour tous mes grands-pères, les têtes couronnées du Bénin, mes respects à vous, je vous respecte beaucoup. Voilà, je vais aussi laisser mon numéro. Si vous avez à me punir, punissez-moi, il n'y a pas de souci, parce que tout ce que je dis, ce n'est pas le respect. Donc, pourquoi nous essayons de donner, bon, en tout cas particulièrement, pourquoi on essaie de donner un peu le vrai? Parce que sur les réseaux sociaux, je vous jure, au nom de notre grand-père Benrazi et d'Agouliago, au nom de Dieu le Ténèbre et de tous les millions du Bénin, il y a des gens. Il vous appelle pour dire tel maître m'a volé telle chose, tel maître m'a soustrait tel argent, et il est du Bénin. Après, il commence par me menacer, tout. On a plein de choses. Donc, nous essayons de corriger notre image. Nous essayons de corriger notre image, raison pour laquelle on essaie de donner le vrai. Là, lorsque les gens iront attester, ils vont voir que vraiment qu'au Bénin, il y en a des choses. C'est tout. Donc, vous voyez des rituels, mes chers aînés, c'est... On est obligé de le faire, raison pour laquelle tout simplement, on ne va pas abuser. Ça, on a raison. Vous avez raison parfaitement. Punissez seulement. Mais avant que vous allez aussi punir, observez l'individu, regardez bien ses vidéos et ce qu'il donne. Parce qu'au Ghana, maintenant, il oublie assez tôt. La loi, si je ne me trompe pas, la loi juge les sorciers là-bas. Ici, maintenant, qui peut juger? Personne. Donc, essayez de regarder bien l'individu, observer les rituels qu'il donne. Est-ce que c'est bon? Si ce n'est pas bon. Voilà. Et concernant, il y a certains ingrédients là, ça c'est clair. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire donner sur les réseaux, ça c'est clair. Entre parenthèses de ce que vous, ils ont expliqué dans l'audio, que certaines choses concernant le casque, voilà, on ne peut pas,
Ça, c'est clair. Il t'a forcé Dieu un acte beau, un beau saint. Mais nous n'avons mis des murs, nous n'avons pas tout monté, nous mimer tant, mais tant les murs à six habitants ils sont retirés. Mon conjoint, moi, m'appelle Béji Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Je laisse d'abord mon contact avant de donner ce que j'ai à donner. C'est le plus 229, le 95, 26, 41, 46. Il y a toujours maintenant le 01, plus 229, 01. Voilà, 95, 26, 41, 46. Voilà notre code. Et voilà mon numéro de WhatsApp. Vous voyez ceci maintenant, ça pouvait guérir les plaies incurables. Dieu lui a donné tellement de beauté qu'on ne peut pas citer. Plus de haine rituelle, désemboutement, protection, l'argent. Vous voyez un peu. Supposons quelqu'un qui a les plaies incurables. Au début, si ce n'est pas encore, il m'a oublié mes nidiens. Mais non, il m'a oublié mes nidiens. Si ce n'est pas encore profondeur auprès des sorciers et autres, il prend l'écorce de ceci en poudre, bien écrasée avec un piment de Guinée. Il commence par mettre ça dans les plaies là en question au nom de l'Éternel des armées et par le pouvoir de nos ancêtres. C'est la guérison totale. Ceci maintenant, nous avons aussi pour le désenvoûtement. J'en ai déjà donné tellement haine, mais ceci je vais donner d'abord pour la guérison que j'ai l'habitude de donner parfois. Vous prenez ça, 111 de ça, plus un caméléon sec. Et vous allez piler. Et dans ce pis, les feuilles de Calostropia Proceva. Vous allez les piler et les sécher, piler, sécher. Vous faites son accent. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui avait les problèmes spirituels, il faut que cet encens commence par utiliser pour pouvoir se couvrir le corps avec. Au nom de l'Éternel des armées, le désenvoûtement et la guérison totale va se produire. Vous voyez les racines de ça. Quelqu'un qui a l'habitude de boire de l'alcool. Quelqu'un qui boive de l'alcool. À chaque moment, il boive de l'alcool. Moi, je l'ai déjà essayé à plusieurs reprises. Ça a marché à plusieurs reprises. Ça a beaucoup de manières qu'on le prépare. Il y a au moins 4 différentes sortes. Mais je vais vous donner que une. Vous prenez la racine de ceci. Vous prenez du vin de palme, sorabi. Quand on dit alcool, parfois des gens se trompent pour aller payer alcool de pharmacie. Ce n'est pas alcool de pharmacie. Alcool de vin, de palmier là. Vous voyez l'alcool de palmier, soustrait de palmier là. Le vin de palme, de l'alcool, vous prenez ça. L'original, vous prenez la racine de ceci. Vous allez maintenant chercher le lait du cochon. Le lait du cochon. À vous assis annoncé, vous cherchez le lait du cochon un peu, vous mettez dedans. Laissez reposer pendant 3 jours. Que l'individu ne commence pas à boire. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, la personne va abandonner de boire. Vous voyez, si quelqu'un boit encore de l'alcool, ou bien la personne aime tellement fumer de la cigarette, vous prenez du beurre de karité que vous mettez au soleil. Mais avant de le mettre au soleil, vous mettez de l'eau, un peu de l'eau dans une botte. Vous mettez le beurre de karité là-dedans. Ça va se fondre. Ça va se fondre. Et prenez encore un peu de l'eau. L'eau simple que vous lavez la tête de l'individu dans un petit bol, vous récupérez cette eau là, vous prenez l'autre eau, mélangez les deux ensemble que l'individu boit. Il va cesser de fumer. Appelez-moi Béji Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229 01 95 26 41 46. Shalom, que Dieu vous bénisse.